Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble le 17e Grand Prix de la saison. Nous vous avons donné rendez-vous sur le circuit japonais de Suzuka, fief de Honda, motoriste de l'équipe actuellement en tête de ce championnat du monde de Formule 1. Les premières images nous parviennent des paddocks avec, vous le voyez, pas mal de détente en tête avec la Scuderia Ferrari qui revient très fort dans cette dernière partie de saison. Avec des niveaux de recherche et de développement des voitures assez similaires avec McLaren, on devrait assister à une fin de saison assez animée. L'équipe Sauber qui est dans les doutes avec toujours les problèmes pour l'année prochaine. On ne sait toujours pas si cette équipe sera sur la grille à l'image de Manor Mercedes. On voit ici Rio Arianto se préparer au sein de l'équipe Manor, mais ces équipes-là sont actuellement dans le doute. Du côté de chez Mercedes, on ne se pose pas de questions avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui ont été normalement confirmés pour l'année 2018. On retrouvera donc le duo actuel de l'équipe Mercedes de nouveau en piste en 2018. Début des hostilités ici à Suzuka avec des menaces de pluie pour ce week-end. Premier moment en piste pour les pilotes avec cette première séance du vendredi matin, souvent utilisée pour s'acclimater au circuit. Il y en aura bien besoin parce que de nombreuses pluies sont tombées. Et le circuit n'est pas très gommé, il y a peu de gomme sur cette piste et donc on va en profiter pour y aller à tâtons dans ces premières minutes de temps de roulage pour les pilotes. Et vous allez voir que du côté de Stoffel Vandoorne, on va tenter de découvrir cette piste en pneus hard. Sachez également qu'il y aura désormais moins d'intérêt pour la recherche et le développement en cette fin de saison puisque de nombreuses équipes ont soit arrêté le développement de leur machine, soit se sont déjà tournées sur les recherches pour l'année prochaine, où certaines sont encore dans le doute, à l'image, je le disais, donc de Sauber ou de l'équipe Manor qui pourrait disparaître l'année prochaine. On a parlé d'un repreneur pour l'équipe Manor, on parlait d'Aston Martin il y a de cela quelques week-ends de cela, rappelez-vous, c'était du côté notamment de Silverstone en milieu de saison. Et bien il semblerait qu'Aston Martin voudrait augmenter son partenariat dans le paddock et pourquoi pas racheter une équipe en tant que sponsor titre, mais ne pas avoir son moteur vraiment dans la voiture, ou alors vraiment avoir son moteur et dans ce cas-là motoriser d'autres équipes. C'est un petit peu ce que veut faire également Honda avec Sauber l'année prochaine tout en gardant McLaren. McLaren, on va les évoquer bien entendu avec un début de saison très facile et ensuite ça s'est resserré tout d'abord avec Mercedes et ensuite avec Ferrari. Et c'est aujourd'hui un véritable duel de constructeurs auquel nous assistons puisque Ferrari n'a jamais été aussi proche de McLaren depuis le début de cette année 2017. For consistency if you can chain good corners together. Et du côté de Stoffel Vandoorne, on terminera donc très loin cette première séance d'essai libre et c'est de nouveau Alonso qui a été le plus rapide. Daniel Ricciardo sera celui qui aura opté pour les pneus médiums et aura signé le meilleur temps. On notera que derrière les Sauber et les Renault sont toujours en difficulté. Le vendredi après-midi, nous avons eu droit à beaucoup de pluie et donc peu de roulage de la part des pilotes. Voici les résultats de cette deuxième séance donc, qui a été écourtée pour bon nombre de pilotes qui n'ont pas voulu risquer de casser la voiture. On amène les dernières pièces d'évolution et on ne veut pas risquer de tout perdre. Le samedi matin, troisième séance cette fois-ci, les voitures sont allégées et le but est d'aller le plus vite possible. On monte donc la gomme tendre sur les pneus à bande jaune, vous le voyez, ce sont les gommes soft qui sont montées sur la McLaren. Il y aura donc ce week-end les gommes soft à bande jaune, les gommes médium à bande blanche et les gommes hard à bande orange. Comme ça, vous savez tout, mais on vous fera évidemment un petit rappel au moment de la présentation de la grille de départ. Vous voyez, les enchaînements sont assez compliqués pour la McLaren qui se débrouille bien ici avec son moteur, mais souffre dans les enchaînements rapides, un petit peu de sous-virage, nous disait Stoffel Vandoorne, de quoi annoncer un très joli duel pour la qualification qui aura lieu samedi après-midi avec un duel annoncé entre Vettel, Raikkonen, Alonso et Vandoorne, et ce serait d'ailleurs le cas jusqu'à la fin de la saison. Pour l'année prochaine, vous le savez, les équipes sont en train de discuter Mercato. Alors il n'y a pas eu de confirmation du côté de McLaren ou de Ferrari, donc il se pourrait qu'il se tramerait dans les coulisses du championnat des transferts. Alors est-ce que Fernando Alonso va supporter de rester un an de plus aux côtés de Stoffel Vandoorne qui lui a volé la vedette? Est-ce que Vandoorne a eu des propositions? On sait que l'année dernière avec le duel à Abu Dhabi, il y avait déjà des discussions entre Vandoorne et Ferrari, mais ça n'avait pas abouti. Vandoorne a clairement exprimé son souhait d'aller rouler chez Ferrari. Alonso a clairement exprimé son souhait d'être chez Ferrari si Raikkonen était toujours là. On avait pensé que Vettel pouvait partir
soit chez Mercedes, soit retourner chez Red Bull. Et bien pour l'instant, il n'en est rien de tout cela. On ne sait absolument rien de ce qui va se passer dans l'hiver prochain. Ce que l'on sait par contre, c'est que donc chez Mercedes, c'est bien sûr installé avec Hamilton et Bottas, ça c'est certain, mais ça pourrait encore bouger avec des pilotes qui ont bien sûr été décevants. On pense par exemple à Max Verstappen qui a eu énormément de malchance, qui n'a pas pu montrer tout son potentiel, et Red Bull serait peut-être intéressé pour également changer son line-up. Voilà donc les résultats de cette ultime séance du week-end. Place donc dans quelques instants à la séance qualificative. Découvrons ensemble les objectifs de Stoffel Vandoorne, se qualifier deuxième et battre évidemment son équipier Fernando Alonso. Ce samedi après-midi, séance qualificative ici à Suzuka, et vous le voyez, de nouveau, on est plutôt détendu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au dernier Grand Prix. Toutes les équipes ont gardé leur place, les pilotes également, il n'y a pas eu de renversement, de bouleversement, et au fur et à mesure de la saison, eh bien, l'écart entre chacune des écuries ne fait que s'agrandir, et donc on est de plus en plus sûr de la place à laquelle on va terminer cette saison. Les seuls qui sont peut-être en grosse inquiétude, eh bien ce sont les hommes de chez Manor qui sont pour l'instant à une superbe 5e position, 3 petites unités devant Toro Rosso, l'équipe sœur de Red Bull, qui a elle par contre perdu beaucoup de points avec les nombreux soucis mécaniques de son pilote Max Verstappen. La Q1 donc a débuté, et vous le voyez, Stoffel Vandoorne est parti à l'assaut du chrono en pneus soft. On ne laisse rien au doute chez McLaren, on va tout tenter pour placer les deux voitures en première ligne, et que ce soit Alonso ou McLaren, on n'est pas non plus décidé à laisser passer les Ferrari devant. On va découvrir ça à l'issue de cette première Q1. D'abord, qui seront les pilotes éliminés? Il faut se placer dans les 16 les plus rapides. Vettel, pour l'instant, est le plus véloce en 1:35.403 sur ce circuit. La particule... Oh, gros blocage de roue de Vandoorne au passage de l'épingle. Alonso maintenant s'empare du meilleur temps. Vous voyez, ça va passer très très vite. Dans cette séance, on ne peut pas être piégé par un drapeau jaune parce qu'on le sait, et je le disais, j'essayais en tout cas de vous le dire, le tracé de Suzuka est un 8, c'est le seul tracé en 8 de la saison, et cette boucle si particulière offre un tracé avec une quantité quasiment égale de virages à gauche et à droite. On passe sous le petit tunnel juste ici, voilà, la piste va se croiser juste en dessous de cette grande ligne droite qui mène vers le 130R, l'un des virages estimés les plus dangereux de la saison. Regardez, on passe quasiment à fond ici avec Vandoorne, on ne soulage quasiment pas avec l'appui de ces nouvelles voitures et le freinage de cette ultime chicane pour découvrir le chrono du pilote belge dans cette Q1. Allez, c'est parti, l'ouverture du DRS juste au moment de passer la ligne, ça va être tout juste. Voilà le verdict du chrono du pilote belge, et bien c'est pour l'instant le troisième temps derrière Vettel, et c'est Alonso qui a pour l'instant réussi le plus beau chrono, et c'est lui qui d'ailleurs maintiendra cet avantage devant les deux Ferrari, la As de Kevin Magnussen qui a fait très très fort. Les deux Manor ont réussi à passer, Lance Stroll également qui continue sur sa bonne lancée, et Felipe Massa en notera l'élimination très difficile de Max Verstappen sur la Red Bull. Encore une fois, Verstappen bloqué en Q1, décidément il y est abonné depuis quelques Grands Prix, et malheureusement la As de Romain Grosjean. La Q2, cette fois-ci, il faut se placer parmi les 10 premières avant de déterminer les 5 premières places de cette grille départ. Va-t-on voir évidemment de nouveau Vandoorne échouer à la porte de cette séance? On a vu des essais très 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 intéressants en pneus durs notamment. Vandoorne a même tenté de pourquoi pas opter pour un arrêt de moins. C'est la stratégie pour demain. Les pilotes devraient opter normalement pour 3 stops avec 2 relais en pneus tendre et un relais en pneu hard ou un relais en pneu médium selon l'équipe. Ça c'est la théorie, c'est ce que Paul Embré, le directeur de Pirelli, a annoncé officiellement et théoriquement, mais avec le grip de la piste qui évolue, on pense pouvoir faire 2 arrêts, et dans ce cas-là il faudrait faire un relais en pneu soft et 2 relais en pneu hard, si j'espère vous suivez bien. C'est Lance Stroll qui pour l'instant est le plus rapide dans cette Q2, de quoi peut-être mettre à l'abri le Canadien qui en a bien besoin au classement général, avec Williams qui ne compte pour l'instant que 18 petites unités après 16 rounds. Et Alonso de nouveau confirme qu'il est en forme. C'est important pour McLaren de se montrer. C'est aujourd'hui le Grand Prix de leur motoriste Honda qui veut encore plus s'impliquer dans la Formule 1. Alors pourquoi pas conclure la réussite de cette saison avec le titre constructeur. Ils sont bien partis notamment face à Ferrari qui a encore quelques petites unités d'avance. 344 contre 313 pour Mercedes. Attention tout de même à la voiture devant, la Haas, qui est je pense celle du pilote français Romain Grosjean, qui pourrait peut-être perturber aérodynamiquement le tour de Vandoorne, mais il n'en est rien. Vandoorne qui termine cette deuxième séance avec le meilleur temps provisoire, 1:34.800
31 pour le jeune Courtraisien, et c'est finalement lui qui, pour la première fois du week-end, sera devant Fernando Alonso. Les deux Ferrari sont passés en neutral, élimination finalement de Lance Stroll en Q2 et de Kevin Magnussen. Les deux Williams se sont faites mise dehors, mais la grosse information, eh bien c'est la 15e place de Valtteri Bottas qui a eu un souci de régénération électrique. Voilà, la piste se libère dans cette Q3, il n'y a plus que 10 pilotes qui sont candidats à la pole position. Et on vient de terminer un tour rapide déjà, c'est le troisième que Stoffel Vandoorne effectue avec ce train de pneus. Il est au bout du réservoir et il se bat depuis deux tours consécutifs pour tenter d'aller chercher ce chrono entré par Fernando Alonso et qui pour l'instant a été battu une fois par Vettel. Et ensuite Alonso a repris l'avantage sur le pilote allemand. Ça se joue à pas grand chose devant, on voit qu'Hamilton est déjà cinquième. Est-ce que les deux Ferrari et les deux McLaren vont se partager la part du lion des deux premières lignes de cette grille de départ? C'est ce qu'on va voir. On poursuit pour l'instant le tour de Stoffel Vandoorne. Il est actuellement à l'entrée des deux Degner. On va le voir dans le premier droit et le deuxième ensuite. Il va passer sous le pont, le petit pont qui emmène vers l'épingle, cette épingle du fond qui est le théâtre souvent de nombreux dépassements. On espère d'ailleurs en voir demain pendant la course. C'est ici, voilà, que l'action pourrait se passer et déterminer peut-être les positions au départ. Un petit peu large sur la corde. Il ressort bien Vandoorne de cette partie très technique du circuit. On enchaîne maintenant avec la grande courbe, la cuillère, la partie du virage de Spoon. Vous regardez le dessin en bas à gauche sur l'écran, vous voyez que ça ressemble à une cuillère. L'épingle de Spoon, ici très technique, il faut tomber deux rapports. On essaie de passer en troisième si on le sait, peut-être parfois en quatrième avec de la chance et une bonne trajectoire. Et ici on libère les chevaux pour la deuxième grande ligne droite de ce circuit de Suzuka qui nous amène vers le mythique et très dangereux 131. On a eu pas mal d'accidents l'année passée, on espère que ça se passera mieux cette année. Vandoorne est en retard pour l'instant de quelques centièmes de seconde. Vous le voyez à droite sur le deuxième split. Le freinage de la chicane également, un endroit où on peut peut-être dépasser avec l'aide du DRS. Et enfin, les chevaux lâchés pour la dernière fois dans la ligne droite. Un peu de survirage pour Vandoorne, c'est pas grave. Le verdict du chrono. Et il échoue à 1/10 de seconde de son propre chrono. Et bien finalement, ce seront les deux McLaren qui mettront en sandwich les deux machines de Maranello. Hamilton suit devant Sainz, Ricciardo, Gviat, Perez et Rio Arianto. Le soleil est présent alors que vous découvrez le nom du driver of the day pour le Grand Prix de Sepang en Malaisie. C'était Fernando Alonso qui a été plébiscité par le public. Vous pourrez de nouveau d'ailleurs voter à l'issue de ce Grand Prix du Japon pour le pilote qui vous aura le plus marqué dans les commentaires. On y reviendra évidemment plus tard alors que l'on découvre le circuit de Suzuka, ce célèbre 8 que vous découvrez ici dessiné avec ses 18 virages. 315 km/h de vitesse de pointe pour un circuit d'un peu moins de 6 km. Le record est toujours détenu par Kimi Raikkonen. C'était en 2005 sur une McLaren Mercedes. On ne perd pas une seconde de plus. On vous montre également les compositions de pneumatiques à disposition des pilotes. Les softs en jaune, les médiums en blanc et les hards en orange. Un petit rappel également des classements actuels au championnat. Ici, Lewis Hamilton qui ne partira que 5e. Sur cette grille de départ, il est d'ailleurs en train de donner une dernière interview. Alonso qui a l'air plutôt détendu. On sait que chez McLaren, il y a 13 points d'écart entre les deux pilotes. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Et on invite Stoffel Vandoorne à faire ce qu'il faut pour impressionner le motoriste nippon de l'équipe britannique. Allez, on jette ensemble un dernier coup d'œil à ce qui se passera donc sur la grille de départ avec donc Alonso qui est en pôle. C'est une belle performance donc face à son adversaire au championnat. La belle position tout de même des deux Toro Rosso qui seront donc 6 et 8e. 9e place pour Perez avec la Force India, c'est pas mal. C'est Stroll qui est 11e aussi, qui fait du bien au moral de l'équipe Williams. Par contre, la 15e place de Bottas, c'est toujours difficile. Romain Grosjean 19e également. C'est pas top tout ça. Et Pascal Wehrlein et De Sauber qui ferment la marche de cette grille de départ qui est d'ailleurs évacuée à l'instant où je vous parle. Ok Jeff, classic check. Classic check, everything is fine on board for the start. Everything is fine on board for the start. Et vous venez de l'entendre du côté de Stoffel Vandoorne, tout va bien, on est prêt, tout est dans le vert du côté de l'équipe McLaren. On espère insister à un Grand Prix qui sera rocambolesque avec pourquoi pas des attaques au départ. On sait que les S peuvent parfois être le théâtre de beaucoup d'actions au départ. On se rappelle dans le passé avec notamment l'accident entre la
La Force India de, je crois, Sutil et Felipe Massa, si j'ai bonne mémoire, ou encore Romain Grosjean qui était allé percuter le flanc de Mark Webber. Bref, on n'espère pas assister à trop d'accrochages aujourd'hui, même si ça peut évidemment bouleverser et les stratégies justement, on en parle, on le disait tout à l'heure, avec 3 arrêts au stand possibles, peut-être 2 pour les plus audacieux. On verra également comment cela se passera, s'il y a une sortie éventuelle de la voiture de sécurité ou une voiture de sécurité virtuelle, puisqu'on le sait, ici à Suzuka, le tracé est encore un des tracés à l'ancienne, hein, évidemment on peut le citer parmi peut-être Melbourne ou encore le circuit de Spa-Francorchamps, des circuits comme on dit à l'ancienne avec des bacs à gravier, des murs assez proches parfois. On a eu droit à des belles cabrioles récemment dans les dernières éditions du Grand Prix, alors voilà, on espère que personne ne va se faire mal, mais il y a toujours possibilité d'avoir la sortie de la voiture de sécurité, ce qui pourrait permettre à certains de partir avec peut-être 2 trains de pneus hard et un train de pneus médium. C'est pour cela peut-être que Vettel, qui n'est que 3e d'ailleurs avec ses pneus médiums, pourrait avoir une éventuelle chance de se placer avantageusement par rapport au McLaren et à son coéquipier. On jette également un dernier coup d'œil à la hiérarchie. On va noter quand même que Bottas 15e, c'est une petite catastrophe pour Mercedes qui a malheureusement besoin de points pour contrer Ferrari. On va suivre la progression du Finlandais à travers le peloton dans les premiers tours. On va voir s'il va opter pour une stratégie un petit peu décalée. On se lève, on se penche, voilà, on se penche dans notre cabine qui est donc là juste à droite de la caméra embarquée. Et on va constater ensemble que les premiers pilotes sont déjà placés sur la grille. Attention de ne pas perdre trop de température dans les pneus ou les freins avant que les dernières voitures ne viennent se placer sur cette même grille de départ. Et les deux premières lignes de ce Grand Prix du Japon sont désormais formées. I'm losing a lot of temperature on the rear tires. I'm losing a lot of temperature. I need the back of the field to be quick on place for the start. Come on guys, hurry up, hurry up. Et Van Doorn qui demande à ce qu'on presse peut-être un petit peu la formation de la grille pour les derniers pilotes. C'est vrai que c'est très long comparé à d'habitude du côté d'Alonso et de Raikkonen et Vettel. Ça doit peut-être être déjà très froid. Les feux s'allument, le départ du 17e Grand Prix de cette saison de Formule 1. Et c'est parti avec un bon envol de la Ferrari de Raikkonen depuis la première ligne. Va-t-il virer en tête le Finlandais face à l'Espagnol? C'est très important pour la suite du Grand Prix. Oh, ils sont côte à côte. Et pour l'instant, personne ne sort large. On est très discipliné dans ces premiers hectomètres. Et c'est finalement Alonso qui garde l'avantage. Mais Van Doorn est passé devant Vettel. Départ plutôt moyen du champion du monde allemand. Ils sont dans les S maintenant. Ça sort large pour Van Doorn. Est-ce que peut-être Vettel peut reprendre un éventuel avantage? Non. Et bien voilà, il rejoigne maintenant le secteur du premier Degner et toujours Alonso en tête, donc devant Raikkonen, Van Doorn, Vettel, semble-t-il Lewis Hamilton qui a conservé sa 5e position. Oui, ça bloque les roues hein, derrière pour Stoffel Van Doorn. On ne l'a pas forcément vu. Premier passage à l'épingle et Alonso qui garde la tête, pas d'attaque derrière, en caméra embarquée avec le Finlandais maintenant à la chasse hein, de son adversaire. Ferrari qui peut encore espérer remonter au classement constructeur, classement pilote. On voit mal Vettel à 178 points même, aller chercher quasiment les 100 points qu'il manque pour aller chercher Stoffel Van Doorn. Mais la saison est encore longue hein. Il y a encore plus de 100 points à prendre. Attention Raikkonen justement qui se porte à la hauteur d'Alonso et qui va attaquer dans la ligne droite vers le centre en terre. C'est fait. Changement de leader avant même la fin du premier tour de ce Grand Prix du Japon. Et c'est donc Raikkonen qui est le meilleur. Attention parce que Van Doorn qui fait un freinage à la chicane. Oh, le dive bomb du pilote belge sur son coéquipier qui n'a sans doute pas apprécié la manœuvre. Et il a perdu du temps à la relance, Alonso. Et ça va peut-être passer pour Hamilton qui a déjà pu prendre le meilleur sur Vettel. Attention parce que là, le premier passage de la chicane a été douloureux pour certains. Et derrière, on voit la Red Bull de Ricciardo qui va à l'attaque. Attention, c'est sorti large pour Lewis Hamilton. Et de retour en caméra embarquée avec Vettel qui souffre. Il est désormais dépassé par Ricciardo. Ouh, et oui, les pneus médiums de la Ferrari qui font qu'il est peut-être un peu moins à l'aise que le pilote australien. Et la hiérarchie de ce deuxième tour qui est donc bien chamboulée avec donc Raikkonen en tête maintenant. Devant Van Doorn, Alonso est donc troisième. Il a repris l'avantage sur Lewis Hamilton. Et ensuite, on retrouve donc Vettel, Ricciardo. Carlos Sainz sur la première des deux Toro Rosso. Ils se suivent d'ailleurs chez Toro Rosso à la file indienne. Deuxième passage à l'épingle. Et est-ce que Van Doorn peut aller chercher déjà Kimi Raikkonen? Ce serait une information intéressante. On aimerait aussi revoir le départ entre Alonso et Raikkonen. Ça a été chaud.
alors qu'on ajuste un petit peu la consommation de carburant. Vous constatez également que les pneus soft, hein, les pneus tendres, ne vont pas fonctionner très longtemps. On est déjà quasiment à la moitié du temps de fonctionnement de ces gommes, avec plus de 35% d'usure sur les gommes de Stoffel Vandoorne. Vous l'avez entreaperçu sur le graphique en bas à droite de votre écran. Et attention, parce que Vandoorne est en train peut-être d'aller chercher le meilleur tour en course. En tout cas, le deuxième secteur de la McLaren du Belge est assez bon. Et on y va allègrement, hein, sur les vibreurs. Il faut ici à Suzuka. Et Raikkonen qui va donc franchir la ligne à l'issue de ce deuxième tour avec le meilleur tour en course. Alors que du côté de Stoffel Vandoorne, on a d'autres options de stratégie avec peut-être 4 arrêts alors qu'Alonso est à l'attaque d'Hamilton qui va dans le gravier. Attention, Hamilton qui va peut-être se faire dépasser. Daniel Ricciardo, il s'accroche. Oh, et Vettel qui percute Hamilton. Il est en tête à queue en plein milieu des S. Attention, il ne faut pas percuter. Catastrophe pour Mercedes qui va de nouveau mettre une voiture dans le fond du peloton. Alors, est-ce qu'Hamilton peut repartir? La suspension de la Mercedes ne semble pas endommagée, mais en tout cas, il y a bien une crevaison à l'avant gauche. Alors, est-ce que la Ferrari de Vettel est également touchée? Attention, parce que ça pourrait nous provoquer une safety car, hein, tout ça. Hamilton qui est arrêté dans les S. On va revoir ce qui s'est passé. Voilà le replay de l'action avec Alonso devant. Et voilà, c'est Ricciardo qui pousse Hamilton et Vettel qui vient harponner la roue avant d'Hamilton qui ne peut rien faire. On a vu Bottas passer d'ailleurs qui était en lutte avec les Williams. Oui, mésentente complète. Et là, rien à faire, hein, pour Ricciardo. Et donc Mercedes a donc la tâche un peu plus compliquée maintenant, avec un Bottas aux portes des points et un Lewis Hamilton crevé à l'autre bout du circuit. Alors, comment cela va se passer? On va sans doute rentrer monter des pneus hard, hein, du côté de chez Mercedes, alors qu'on ne se pose pas de questions chez Ferrari, qui eux d'ailleurs, au passage, continuent, hein, le développement de cette... De cette SF17H, hein, cette voiture, alors qu'on confirme qu'Alonso est au box. Oh, et voiture de sécurité! Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette voiture de sécurité en piste? On n'a pas d'informations. Jeff, why are they bringing out the safety car, please? Et Vandoorne qui demande à son ingénieur pourquoi sortons la voiture de sécurité. Je vous avoue qu'on se pose la même question. Alors que la réalisation décide de nous remontrer les départs depuis d'abord la voiture de Rio Arianto cette fois-ci. Oh, un peu de fumée, c'était surtout Vandoorne qui avait patiné. Indonésia à la hauteur de Perez sur sa gauche avec la Force India. Oh, c'était serré là, hein. À l'extérieur pour l'Indonésien. Le départ d'Hamilton maintenant qui s'était bien envolé. Ah, il a failli prendre le meilleur sur Vettel, mais Vandoorne avait un peu bloqué la porte. La Toro Rosso a pu s'infiltrer. Sainz qui était bien placé, hein, face à Hamilton. Regardez, ça se joue à quelques millimètres, mais Hamilton prend l'avantage. On a même le temps de changer un paramètre sur le volant. On partait du 20e rang pour la voiture de Nico Hülkenberg, l'Allemand Issa Renault. Renault qui souffre énormément, hein, depuis... leur retour en Formule 1 et le passage maintenant. Ça a été plutôt sage, hein, du côté de... Hop, ouais, non, il y a eu quand même petite explication avec Palmer. Oh, est-ce qu'il est allé toucher son équipier? Oh, c'était pas loin quand même, hein, pour Hülkenberg. On comprend la volonté de montrer ce qui s'est passé. Attention, est-ce que Vandoorne va plonger à l'issue de ce tour? Oui, attention, arrêt pour Vandoorne, c'est le premier des hommes de tête qui profite donc du pace car. Peut-être pour stopper et monter des pneus hard. Qu'a-t-on préparé du côté de chez McLaren? Assez dommage, on ne le verra pas. Attention, Alonso qui a également... Oh, Alonso qui percute le safety car, incroyable! Alonso qui est allé percuter le safety car, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une image incroyable, comment est-ce possible? Mais comment Alonso a pu aller chercher la voiture de sécurité sur le bord de piste? Incroyable! Et Vandoorne au box, évidemment! Et les pneus hard! Mais comment Alonso a-t-il pu? Qu'est-ce qui s'est passé chez McLaren pour qu'Alonso ne voit pas le safety car? Alors on sait la peinture de la Mercedes de Bernd Meilander brillante, mais de là, elle est percutée cette voiture de sécurité!
Et il y a un aileron sur la piste. Et tout ceci est bénéfique à cet homme, évidemment. Kimi Raikkonen, leader incontestable de ce début de course. Alors, va-t-on également chez Ferrari faire arrêter le leader et opter donc pour une stratégie à deux arrêts? Ça pourrait passer maintenant avec deux relais en pneu hard. C'est, je pense, ce qu'on a sélectionné chez McLaren. Voilà, on rentre au box, effectivement, pour Raikkonen et pour la suite des pilotes. Toro Rosso qui était là. Allez, l'arrêt de Raikkonen, ça se passe. Oh, très bel arrêt chez Ferrari, on n'a pas perdu trop de temps. Il y a une Toro Rosso également qui l'a arrêté. Il y a une Force India, on est prêt chez Sauber. Alors chez McLaren, visiblement, l'explication, ce serait qu'Alonso était en train de regarder son volant pour régler la richesse de son moteur et n'aurait pas vu la safety car. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'en arriver à un point où ne pas avoir... Alors, il y a des dégâts sur cette voiture de sécurité maintenant, peut-être. En tout cas, on ne voit pas le pare-choc abîmé, mais Alonso, c'est un museau et c'est terminé. Et on retrouve donc une Williams sans tête, sans doute Felipe Massa, oui, voilà, puisque Magnussen rentre au box, ça a été le cas également pour le Canadien Lance Stroll. Palmer également qui opte pour la voie des box, je crois, avec la Renault. On a les deux Williams dans les points. Allez, Magnussen qui repart en hard. Oui, je pense que beaucoup vont opter pour cette stratégie à deux arrêts, hein. Ça peut fonctionner maintenant. On retrouve effectivement Felipe Massa en tête devant Romain Grosjean. Incroyable le classement provisoire de ce Grand Prix du Japon. Troisième place pour Yorianto, quatrième Stoffel Vandoorne. Et là, Alonso a peut-être perdu très très cher par rapport à son coéquipier belge. Alors que la safety car va rentrer ce tour-ci. Massa garder l'avantage, ça se resserre derrière. On va donc retrouver peut-être des pilotes au box maintenant. On voit derrière qu'il y a encore des Mercedes. C'est Bottas, je crois, qui a fait une remontée formidable là. Allez, c'est parti. On relance sous le commandement de Massa. Ça n'était plus arrivé depuis de nombreuses années que la Williams du pilote brésilien mène les débats. Deuxième place pour Grosjean, le français. On se serait cru revenu en 2013, quand il était quasiment en tête du Grand Prix. Vettel qui pousse Julian Palmer à l'extérieur. Et c'est important parce que là, on était en lutte pour les points. Attention, Vandoorne peut-être pour aller chercher Yonto. Non, c'est Gutiérrez qui est troisième, pardon. Alors, transpondeur, vous avez dit Yonto. Alors, que s'est-il passé là? Petite erreur, on s'en excuse. C'est bien Gutiérrez qui est troisième. Allez, Yonto était au box. C'est pas la première fois qu'on inverse les deux manœuvres sur notre tableau. Et on dit à Vandoorne qu'il ne devrait plus pleuvoir dans ce Grand Prix. Mais il est vrai qu'on a un instant cru au nuage et à la pluie après ce qui s'était passé vendredi après-midi. Mais finalement, on a été tranquille depuis cette période-là de la journée. Attention, l'attaque de Vandoorne à l'intérieur. Et il passe le Mexicain. Et est-ce que Gutiérrez va peut-être se faire attaquer? Oh, Vettel qui l'a touché. Les roues qui ont frotté. Vettel qui est très très proche, hein, de la Manor. Ça devrait être une formalité pour le pilote de la Ferrari de se débarrasser de cette voiture et de se hisser au quatrième rang, alors que Vandoorne est à l'attaque de Magnussen maintenant. Vandoorne est en tête virtuellement puisque les deux pilotes devant lui n'ont pas ravitaillé. On aurait donc Vandoorne, Vettel d'ailleurs qui attaque la voiture de pas de Gutiérrez qui part dans l'Astroturf. Fais attention Gutiérrez. Et bien, oh, et Vandoorne qui attaque aussi devant Magnussen. Et c'est passé, et l'arrêt au stand de Massa. On va donc retrouver, attention, drapeau jaune, il y a une sortie dans le centre en terre. Sortie de piste et c'est Julian Palmer. Ah, la Renault de Palmer qui est dans le gravier, il essaie de repartir. Ah, Julian Palmer qui est sorti de la piste. Alors, est-ce qu'il y est allé tout seul comme un grand? Il faudrait revoir les images de cette sortie. Voilà, on va revoir évidemment la Renault en difficulté. Oh, il a éclaté un pneu. Ah oui, il y avait beaucoup de débris, hein, sur cette piste de Suzuka. Ah, la grosse désillusion pour Palmer. Ils n'avaient pas besoin de ça chez Renault, ils souffraient déjà assez comme ça. Alors, on revient dans le noyau dur du peloton, ici aux alentours de la 10e position, avec un Daniel Ricciardo en pneu hard qui remonte. Il est pris entre les deux Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon, le français. Il va aller s'attaquer devant
à une autre voiture, c'est celle de Perez. Voilà, ça passe pour Ricardo alors qu'on en a vu devant une Mercedes également se débarrasser d'une autre voiture. Attention, Palmer qui est arrêté là. Et drapeau jaune et voiture de sécurité virtuelle peut-être. Non, non, ça reste secteur sous drapeau jaune. Voilà, on a évacué la voiture de Palmer qui est donc désormais retirée de ce Grand Prix. 16e des 27 boucles de ce Grand Prix du Japon. On retrouve donc Van Dorn au commandement devant les deux Ferrari de Raikkonen et Vettel qui sont en train peut-être de faire définitivement le trou face au Mercedes, même si la course est encore longue. Okay, some information on Perez. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Perez aurait un petit souci. On le voit d'ailleurs au premier plan, le pilote mexicain. Ici, on est dans la lutte qui oppose, je crois, et Daniil Kvyat, voilà, à Esteban Ocon sur la Manor. Esteban Ocon qui avait pendant un instant été chuchoté chez Mercedes, mais Toto Wolff a décidé de garder ses deux soldats pour la prochaine bataille de l'année prochaine. Et le passage à l'épingle pour le Français qui résiste toujours. Allez, on va revenir sur la tête de course, voilà, avec un Van Dorn, donc désormais en pneus hard. Et on va donc opter, je crois, pour une stratégie à deux stops. À moins que les pneus durs puissent durer plus longtemps que ce qui a été préconisé par Pirelli, on devrait donc retrouver Van Dorn assez rapidement sur une stratégie à deux arrêts. Attention, Van Dorn qui est complètement au large là dans le centre inter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça passe pour Vettel. Oh, il y a eu un souci pour Van Dorn. Pourquoi? Oh oui, il est en gros sous-virage, Van Dorn là. Vettel qui est passé, t'as la boulet de canon avec ses pneus médiums. Jeff, are we able to catch Vettel at this pace in the next few laps? Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Du côté de chez McLaren, on ne semble pas trop s'inquiéter. On demande d'ailleurs si on a toujours le rythme pour aller chercher la voiture de Vettel. Cette voiture de Sébastien Vettel qui est donc maintenant en tête. Ah, on l'a dit, McLaren qui a peut-être arrêté un chouïa trop tôt le développement de cette MCL32. L'arrêt au box pour Massa. Ah, Massa qui n'a plus d'aileron avant. Et on nous signale une voiture arrêtée dans le secteur 17. Ce serait bien du côté du centre inter. Y aurait-il eu un souci de nouveau dans ce virage? Alors on voit un replay de Felipe Massa qui est allé sortir la Haas et qui se fait percuter par une Manor. Et Massa qui termine, voilà, sa course contre les pneus. Oh, c'est Romain Grosjean qui était là. Au crash dans le centre inter. Et de nouveau beaucoup de débris sur la piste. Regardez ça depuis la voiture d'Esteban Gutiérrez. Ouais, ça ne pouvait pas passer, un Massa qui créait les trois lignes. C'est Gutiérrez qui en paye le prix fort. Le pauvre Mexicain, décidément. C'est terminé donc pour Gutiérrez. Eh bien, il s'en passe des choses dans ce Grand Prix du Japon. Ah, on dit toujours qu'il est assez atypique et il s'y passe des événements incroyables. On en a encore la preuve avec ici la voiture de Daniil Kvyat, je crois, ou de Sainz. Difficile toujours de distinguer les deux pilotes. Et c'était, je crois, Carlos Sainz qui fait attaquer par Valtteri Bottas. Oui, et Bottas qui est passé. On voit les débris sur la droite, c'est incroyable. Il y a des morceaux de carbone entier là dans l'échappatoire du centre en terre. Alors que Gutiérrez a garé sa voiture un peu plus loin, Massa est reparti. On ne semble pas devoir réparer les pneumatiques du virage du centre en terre. Van Dorn qui bloque ses roues. Bah oui, il est allé mettre deux roues quasiment dans l'herbe, la Van Dorn. Et attention parce que les esprits sont en train de s'échauffer. Vettel au box. Vettel au box, le leader. Ça laisse ainsi donc Van Dorn en tête avec Raikkonen. Ils sont sur la même stratégie. Je pense que la lutte pour la victoire va se jouer entre ces deux pilotes et non pas avec Vettel qui n'aura plus, je pense, son mot à dire d'ici quelques instants. Van Dorn dans le centre en terre maintenant. 12e tour de course. Et l'arrêt au stand pour l'une des Mercedes, c'est Valtteri Bottas qui opte pour un arrêt. Le Finlandais qui va repartir, très bel arrêt chez Mercedes. Et on a opté donc pour un arrêt en pneu hard. Il y aura donc 3 stops pour le Finlandais, je pense. Alors que Vettel passe devant nous et devant Bottas également. Dans un nouveau tour ici au Japon. Arrêt au stand pour la Sauber.
Pascal Wehrlein qui était là à l'arrêt. Retour en piste avec la lutte qui continue entre Verstappen et Ocon. Les deux pilotes qui ne se lâchent pas depuis le début de ce 17e Grand Prix de la saison. Allez, avec Max Verstappen maintenant en caméra embarquée, le Néerlandais qui se bat pour une hypothétique place dans les points. Il en a fortement besoin, notre ami Verstappen qui est très très loin en classement, loin derrière Sainz, Ricciardo et Bottas et les hommes de tête. Un nouveau passage dans le centre en terre dans cette 13e boucle pour Stoffel Vandoorne, leader donc. Et on a trois pilotes en pneus hard sur une stratégie à deux arrêts. Vandoorne, Raikkonen et Carlos Sainz. Décidément. Ok Jeff, the tires are pretty good. I'm a little bit surprised by the pace, but we're still continuing for maybe two or three laps, not more, but these hard tires are really good on this condition. Eh bien, pensez printemps, comme diraient certains, du côté de Vandoorne, tout est au beau fixe. Les pneus hard, les pneus durs tiennent plus que prévu et il vient même de dire à son équipe, eh bien, si on a 2-3 tours supplémentaires dans les gommes, on va les faire et on va aller faire cette course avec deux stops. C'est désormais clair du côté de chez McLaren. Et une fois de plus, on regrette que, eh bien, que le sort se soit acharné sur Alonso qui est allé percuter la safety car. C'est une chose absolument hallucinante. Et il vient de le confier à nos confrères d'ailleurs en interview, Alonso. J'étais sur mon volant, je profitais du petit bout de ligne droite pour aller régler mon mélange, ma consommation de carburant, et au moment de relever la tête, j'ai eu le temps de piler et j'étais dans le safety car. Les nouvelles informations concernant le reste du peloton sont apportées à Stoffel Vandoorne, qui est pour l'instant peut-être parti pour faire un gros coup au championnat. Il remettrait d'ailleurs avec ses 25 points et les 13 qu'il a, 38 unités, ce serait énorme comme avance sur Alonso, plus d'une victoire, et à quelques grands prix de la fin de saison, cela pourrait s'avérer décisif, à moins que le sort s'acharne à son tour sur Vandoorne. Alors qu'ici on a Ricciardo à la lutte avec la Mercedes de Lewis Hamilton. Attention, le Britannique qui ne peut pas changer de ligne désormais. C'est passé pour Ricciardo sur des gommes plus tendres. Dans le centre en terre à l'intérieur. Ouais, Hamilton qui lâche, mais c'était à la limite. Alors, ici, on a Romain Grosjean qui s'attaque à Sergio Perez au moment où l'on a une Toro Rosso qui sort des boxes. Oh, ça va pas passer de son. Oh, attention, la Manor qui est allée dans le gravier. La Manor de... Je pense que c'est bien Rio Arianto qui est allé nous faire une jolie cabriole. On sort bien de nouveau. Vandoorne qui continue à 8 tours de la fin de ce Grand Prix. Ce serait formidable. L'année passée avec Honda, ils avaient pu faire déjà très fort. Cette année, c'est un peu dommage qu'Alonso casse de la sorte son potentiel de points et de victoires. Hein. Il était bien placé, le pilote espagnol. Sur la grille de départ, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Allez, retour au box pour un autre espagnol, Sainz, qui chausse des pneus médiums. Et qui va se libérer de son limiteur, alors que Vandoorne lui continue. Oh, et qui va même mettre deux roues dans l'herbe. C'est très très chaud parfois pour Vandoorne. De nouveau dans le secteur de l'AstroTurf. Ah, Vandoorne qui est full attaque avec ses pneus hard. On sait qu'il va faire deux arrêts, mais il doit les tuer maintenant avant la fin de son deuxième relais. Et on sent qu'il y a une perte, hein, claire et nette d'adhérence maintenant, puisque le train avant est de plus en plus sous-vireur. Retour avec Pérez, qui a un Grand Prix mouvementé également. Hein, Sergio, le Mexicain qui voit sa Force India bousculer un petit peu dans tous les sens. Et dans le noyau dur de ce peloton ici à Suzuka, 15e pour le moment au jeu des arrêts au stand, avec ceux qui ont trois arrêts qui n'ont pas encore ravitaillé. Ne devrait d'ailleurs pas tarder. On a vu il y a quelques instants une Toro Rosso sortir des box. Okay, some information on Perez. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. On vous rappelle évidemment que vous pouvez désormais voter pour votre driver of the day. Vous retrouverez dans la description de ce
de ce Grand Prix, ainsi qu'en commentaire, un lien vers un straw poll. À vous de voter pour votre pilote préféré ou pour le pilote qui a, selon vous, marqué les esprits de ce Grand Prix du Japon. Et pour l'instant, ce serait bien tout de même Stoffel Vandoorne, hein, qui est en train de faire très très fort. Magnussen également. Hein. Magnussen qui, avec sa stratégie, est quatrième. Le Danois est là, et la Haas au moment où son équipier rentre au box. Aux gens qui avaient été pris tout à l'heure dans l'accrochage avec la voiture de Gutiérrez dans le 130 R. Il s'était rentré également, je crois, pour une Sauber derrière. Et on met des hards, on va aller au bout, je pense, pour Romain Grosjean maintenant. Et Vandoorne qui se retrouve de nouveau bien placé avec tout de même un Raikkonen pas loin. Ah, et ça rentre, l'arrêt au box de Vandoorne, ça y est. Et Raikkonen aussi. Allez, stratégie similaire pour les deux hommes. Alors que chez Ferrari, on s'est décidé sur le tard. Vous voyez, on a vu les mécaniciens bondir du stand avec les gommes. Je me demande si chez Ferrari, on n'a pas tout simplement changé son idée. Et Vandoorne qui repart devant Raikkonen. 2 secondes 2 chez McLaren. Bel arrêt. Oh, les pneus sont froids, mon cher Stoffel, attention. Et donc, on retrouve désormais en tête Sébastien Vettel, mais lui devra encore ravitailler une fois. Allez, l'arrêt au stand de Magnussen maintenant. Il était quatrième, le Danois. On va partir dans les points, ça ferait du bien. Le pilote de cette Haas de marquer des points, il en a besoin. Et il ressort derrière la Force India de Sergio Perez. Vettel donc en tête de ce Grand Prix, mais pour combien de temps maintenant? On voit Vandoorne aussi en pneu hard dans le fond qui revient. Vettel va-t-il rentrer? Regardez ces débris sur la gauche de l'image là qui date de l'accident de Gutiérrez. Je trouve ça hallucinant qu'on ne mette pas au moins un safety car pour nettoyer tout cela. Vettel qui continue. 2 secondes d'écart, pas de DRS bien sûr. So no, we don't mind about Raikkonen. Don't mind about Raikkonen now. Bon, et puis Vandoorne qui dit à son équipe, je m'en fiche de Raikkonen. Je vois ce qui se passe devant moi et devant lui, c'est Vettel. Alors, beaucoup de monde au box. On a vu la Red Bull ressortir. Ici, c'est la voiture de Lance Stroll, le pilote canadien qui s'arrête, tout comme la Manor de Rio Arianto, le dernier défenseur des couleurs de la petite équipe britannique. L'arrêt de Vettel, ça y est, Vandoorne est désormais officiellement le leader de ce Grand Prix devant Raikkonen. Mais qui va être le troisième pilote? Est-ce que Sainz aurait suffisamment gardé d'avance pour être troisième? On va le découvrir dans quelques instants. Vettel va-t-il ressortir devant? Ah, la pitlane qui est très longue pour Vettel. Et ça passe pour Sainz et c'est passé, je pense, aussi pour Lewis Hamilton. Allez, Vettel qui repart. C'est parti, cette fois-ci sans safety car sur son chemin. On dise un petit peu, mais alors que maintenant c'est au tour de Max Verstappen de servir son arrêt au box. Le Néerlandais ressort, bel arrêt également chez Red Bull. Et on voit Valtteri Bottas qui arrive. Non, c'est Bottas qui est donc troisième. C'est Hamilton qu'on avait dans le fond de l'image. Donc on se retrouve avec Vandoorne, Raikkonen et Bottas, les deux Finlandais qui suivent le pilote belge. Alors ces trois-là vont maintenant se retrouver sur la même stratégie. Il reste 8 tours de course. Vandoorne qui poursuit sa conquête de la victoire. Elle va faire du bien au championnat, celle-là. Parce qu'honnêtement, il en avait bien besoin. Il n'avait plus gagné depuis longtemps. Souvent, Dauphin d'Alonso, il avait cédé de nombreux points alors qu'il avait une avance de quasiment 40 unités à un certain moment de la saison. Eh bien, il va reprendre cette avance avec l'erreur catastrophique d'Alonso percutant le safety car. Et maintenant, Vandoorne ne doit se méfier que d'une seule chose, c'est l'éventuel retour du Finlandais Raikkonen maintenant.
Est-ce que Van Dorn va pouvoir se défendre jusqu'au bout? Ouais, ça, vous l'avez vu, la dérobade de l'arrière de la McLaren dans la montée des S. Ouh, Van Dorn qui était très très proche du gravier. Ah, il ne laisse rien au hasard, hein, Van Dorn, malgré qu'il ait une bonne avance. Retour sur le duel Ocon-Verstappen, si c'est toujours le cas. Non, c'est Ricciardo qui s'attaque maintenant aux Français. Ah, Ricciardo qui a perdu beaucoup de temps pour se retrouver derrière Ocon, qui n'était pas tout près, tout près. Intéressante explication entre le châssis Force India et le moteur Mercedes. Et ensuite, le châssis Red Bull et le moteur Renault et Tag Heuer. Avec peut-être l'année prochaine un certain bloc Aston Martin dans cette Red Bull. On en parle. Alors que comme on s'y attendait, la formalité de dépasser Esteban Ocon qui résiste. Ouais, le Français qui n'a pas osé maintenir sa voiture, mais il a quand même montré une belle résistance face à la voiture de l'Australien. Allez, ils sortent de la chicane maintenant pour une nouvelle boucle. On voit dans le fond l'image Hamilton, hein, qui souffre aussi. Est-ce que Vettel, avec ses pneus neufs, pourrait aller chercher Bottas et mettre les deux Ferrari sur le podium? Alors que Van Dorn est désormais en train de subir les retardataires en la personne de Felipe Massa. Rappelez-vous, Massa en début de course qui était en tête, hein, à l'issue de la première sortie de la voiture de sécurité. De nouveau très très large au-delà de la piste. Van Dorn, ça glisse beaucoup, hein. Ça glisse beaucoup. Et ici c'est, bah, je pense, Verstappen, à moins que Ricciardo se soit déjà débarrassé de Ocon avec autant de facilité. Non, c'est bien Verstappen qui est en lutte avec la Haas de Romain Grosjean, le pilote français qui résiste pour le moment. Les Haas qui ont eu une très belle option de stratégie depuis le début du week-end. Suite inscrite dans la volonté d'effectuer deux arrêts au lieu de trois, ça porte pour l'instant ses fruits, hein, du côté des pilotes de l'écurie américaine. Van Dorn toujours coincé derrière la voiture de Massa. Ouais, les turbulences, ben oui, évidemment, évidemment, on s'y attendait. Et regardez qui est troisième, Carlos Sainz. Carlos Sainz, troisième en médium. La stratégie à trois arrêts pouvait donc fonctionner, ce n'était pas impossible. Et juste à jouer un peu plus finement. Yes, yes, Jeff, I know, but please tell Massa to get out of my way, please. Ou oh, alors que c'est encore chaud ici avec Wehrlein sur l'extérieur de Arianto. Et ça y est, Massa qui a eu le message au drapeau bleu, il s'écarte, mais il a perdu beaucoup de temps, Stoffel Van Dorn. Alors à combien de secondes se situe Raikkonen maintenant? Ça reste quand même assez conséquent, mais attention, attention au retour éventuel du Finlandais de sa Ferrari. Et on voit ici Massa qui a été désormais dépassé. Attention, parce que Massa risquerait d'avoir le DRS tout à l'heure s'il reste assez proche de Stoffel. Maintenant, le meilleur ami justement du pilote belge, c'est le Brésilien qui devrait tomber avec Raikkonen dans un secteur un peu moins rapide, plus sinueux. Attends, regardez Massa qui revient sur Van Dorn. Massa qui reprend de la vitesse avec l'aspiration. Ouh, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer un jeu très dangereux, la Felipe Massa? Si ça tourne mal et qu'il va percuter Stoffel Van Dorn, je pense qu'on a droit à une salade de marron dans les paddocks. Allez, nouveau tour couvert pour Van Dorn, il n'en reste plus beaucoup. On va aller s'imposer dans ce Grand Prix de Suzuka. Et Sainz qui rentre au box, c'est dommage, il aurait peut-être pu tenter d'aller au bout avec ces gommes-là. Et ça laisse évidemment Sébastien Vettel sur la troisième marche. Et on met des pneus soft évidemment pour aller au bout du côté de Toro Rosso. Ah, on aurait bien aimé tenter le coup. Attention, arrêt pour Esteban Ocon, numéro 31. C'est bien la Force India du Français qui repart. Et on fait un petit point sur la consommation de carburant du côté du pilote belge. Et ça semble être de nouveau en parfaite maîtrise. Deux relais en pneus hard qui auront été également bien maîtrisés avec le setup de la voiture. Pas de dégradation et d'écroulement des pneumatiques, hein. Van Dorn aurait pu faire encore 3-4 tours avec sans problème.
et la redescente vers le centre en terre. Okay, Jeff, copy. I don't need to protect my position against Raikkonen, so we're good now to reach the end at this rhythm. There's 4 laps of fuel remaining. Jeff, what's the lap time difference between me and Raikkonen behind, please? At the moment, the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. Ce dialogue est magnifique. Vandoorne qui, dans un premier temps, demande à son équipe Wanner Raikkonen, il dit on ne doit pas s'en occuper. Deuxième question, quel est mon rythme par rapport à celui de Raikkonen? Et bien on lui dit il tourne 1 seconde plus vite que toi. Ce à quoi Vandoorne n'a pas décidé de répondre et a sûrement dû baisser sa visière et foncer dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix du Japon. Alors qu'on retrouve ici l'équipier de Esteban Ocon dont on suivait les exploits il y a quelques instants. Perez chassé par une Sauber, rendez-vous compte. Sauber qui a marqué quelques points cette saison, mais l'avenir de l'équipe reste toujours indécis avec Pascal Wehrlein qui est juste derrière l'Allemand. Attention à l'arrivée de Stoffel Vandoorne. Il va rester 2 tours aux Belges pour aller chercher cette victoire. Rien ou pas beaucoup de choses peuvent se mettre entre lui et le drapeau à damier, si ce n'est un souci mécanique. Et on peut tout doucement commencer à compter les points, hein, du côté de chez McLaren. 38 points de retard. Alors, on dit à Vandoorne, attention, ton moteur semble avoir quelques pertes de performance, qui est normal à ce stade-ci de la course. Message que l'on entend assez régulièrement. Raikkonen ici qui va aller chercher Felipe Massa. Ouf, il a quasiment dû mettre 2 roues dans l'air, hein, le Finlandais, pour se débarrasser de son ancien coéquipier de la Scuderia. Et Vandoorne, inarrêtable, qui va bientôt entamer sa dernière boucle et qui attaque toujours autant parce que Raikkonen, petit à petit, le Finlandais fait la jonction. Et le driver of the day, évidemment, qui est toujours disponible dans la description. Votez qui sera pour vous le pilote du jour. Pensez quand même pour Fernando Alonso, qui a été malheureusement la star de ce Grand Prix avec ce contact. Et d'un autre côté, Stoffel Vandoorne, qui va entamer son dernier tour de course maintenant. Ici, voilà, c'est fait. Il va rester un peu moins de 1 minute 40 en piste au pilote belge. Et le drapeau à damier se présentera à lui pour une victoire qu'il aura attendue depuis de nombreuses courses. Reprise de la tête du championnat de manière autoritaire. Il ne l'avait pas perdu en termes de points, mais ça se rapprochait inexorablement du côté de Fernando Alonso. La deuxième place et la troisième pour les Ferrari Boys, Raikkonen et Vettel. Belle démonstration de force de la Scuderia qui montre qu'il faudra compter jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier à Abu Dhabi. Avec les voitures au cheval cabré et le passage sous le tunnel pour la dernière fois. C'est ici, rappelez-vous qu'en 2006 par exemple, Schumacher avait perdu ses espoirs de titre cassant le bloc de sa Ferrari. Kevin Magnussen avec la Haas qui se retrouve de nouveau bien positionné devant Daniil Gyat. Il y a des gros points pour ces deux pilotes à l'issue de ce tour. C'est important pour la survie et le classement de leur équipe, puisqu'on se rappelle que Toro Rosso est toujours à la chasse, hein, de l'équipe Manor pour 3 petits points. Et je pense qu'avec ce résultat, Gyat permettrait peut-être à Toro Rosso de récupérer le statut de 5e force du plateau à l'équipe Manor. Vandoorne qui entame le 3e et dernier secteur de ce Grand Prix. Il arrive dans la chicane, Vandoorne, voilà, dernier freinage pour la McLaren du pilote belge, la réaccélération et ce sera fait. Voilà, victoire de Vandoorne ici au Japon et à Suzuka, 25 points pour McLaren et le pilote belge et surtout pour Honda qui était à domicile. Bravo Stoffel, c'est fait. Nice work, that's P1, race win, well done. Yes, yes Jeff, thanks, huge car, amazing car, congratulations everyone and thanks for Honda for the engine. Amazing car, congratulations everyone for the pits. Yeah, a real pleasure to be back on the top of the podium, thanks guys.
Et la joie de Vendôme qui monte sur son cockpit devant Vettel et Raikkonen. Et le petit message à l'attention de Honda qui fait toujours plaisir, alors que chez Red Bull c'est un peu la soupe à la grimace. Ah, Ricardo est content quand même avec sa sixième place, toujours le sourire chez l'Australien évidemment, on ne changera plus celui-là. Et le podium donc avec Van Dorn sur la plus haute marche entouré des deux pilotes Ferrari, ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé ça. Voilà donc la McLaren numéro 91 qui triomphe, le trophée pour le pilote belge. Et on va faire dans quelques instants le décompte de tous les points, mais avant le champagne. Et ils l'auront bien mérité parce qu'il a fait très très chaud à Suzuka aujourd'hui, beaucoup d'humidité malgré tout. Et voilà, c'est fait. La petite photo de famille et les résultats de ce Grand Prix avec donc Vendôme qui s'impose. Et on notera donc Hamilton qui a chuté 7ème place. Et au niveau des arrêts, regardez, les deux hommes de tête ont opté pour deux arrêts. Massa a dû stopper 4 fois évidemment. Et on notera quand même les résultats. Et Bottas qui passe devant Lewis Hamilton. 38 points, je vous le disais, entre les deux hommes de tête. Et derrière, ça monte pour Daniil Kvyat qui reprend des points à Lance Stroll et Romain Grosjean, tout comme Kevin Magnussen qui inscrit encore des points aujourd'hui. Voilà donc pour le classement avec toujours la tête pour McLaren. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 17e Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. J'espère que l'action en piste vous aura intéressé et vous aura fait vivre de belles émotions, on va dire ça comme ça. On se donne rendez-vous au 18e round de cette saison qui est loin d'être terminée entre Stoffel Vandoorne et Fernando Alonso, et le retour des Ferrari n'est que plus intéressant. Merci à toutes et à tous, rendez-vous pour le prochain Grand Prix très vite. D'ici là, portez-vous bien, merci de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et bon amusement en piste d'ici là, les amis, à la prochaine, au revoir.